Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue notre rétrospective sur la saga GTA avec Grand Theft Auto 2, GTA 2, qui sort le 30 septembre 1999 dans les pays anglophones. C'est toujours développé par DMA Design, c'est édité cette fois par Rockstar Games, et donc on va un petit peu rétro-pédaler pour voir en fait comment Rockstar Games a été créé. Pour la petite histoire, en fait, Rockstar Games s'appelait auparavant BMG Interactive. C'était un label d'édition appartenant à DMA Design. C'est sous ce label que sort GTA en 97. En 97, DMA Design est racheté par Gremlin Interactive qui publiera deux de leurs jeux, dont Body Harvest dont je vous parlais hier. En 99, l'éditeur français Infogram acquiert Gremlin pour 24 millions de livres. Et à ce moment-là, BMG Interactive était déjà devenu Rockstar Games, un label appartenant à Take-Two. La même année, en fait, Infogrames se rend compte que c'est un peu trop compliqué pour eux et ils revendent DMA Design à Take-Two, qui fait là, en fait, une des meilleures affaires de son histoire à ce moment-là, tout simplement parce qu'ils rachètent à ce moment-là Rockstar North, qui deviendra, en fait, le créateur de GTA 3, de GTA San Andreas, Vice City, GTA 4 et bientôt GTA 5. Voilà, finalement, une des petites ironies de l'histoire d'Infogrames qui finira par mettre la clé sous la porte quelques années plus tard. Alors dans GTA 2, qu'est-ce qu'on fait? On incarne un personnage qui s'appelle Claude Speed. Alors c'est une différence avec GTA qui vous proposait d'incarner plusieurs personnages différents. Alors ces personnages-là n'avaient pas vraiment une histoire en fait, c'était simplement des personnages que l'on choisissait au début du jeu, on avait simplement une image d'avatar, voilà. Le jeu se déroule à Anywhere City qui veut dire n'importe où en fait, la ville n'importe où. Elle se divise en trois secteurs, le centre-ville, le quartier résidentiel et le quartier industriel. On retrouve évidemment le même système de mission, il faut gagner de l'argent pour débloquer les quartiers suivants. On gagne des points comme dans GTA 1, à savoir en faisant un petit peu des opérations destructrices, en écrasant des passants, en tuant des flics, en détruisant des voitures, etc., etc. En plus de ça, on a des missions, selon la même formule que GTA 1, c'est-à-dire que l'on va à une cabine téléphonique, on répond à un appel qui nous dit en fait d'aller à tel endroit chercher telle voiture par exemple, chercher tel personnage et de l'aider dans certaines de ses activités. Tout ça pour un petit peu d'argent. En plus de ça, on a des quêtes subsidiaires qui apparaissent dans GTA 2. On peut devenir désormais chauffeur de taxi ou chauffeur de bus par exemple. Et cette fois dans GTA 2, les menaces ne sont pas seulement les flics. Il y a en effet 7 gangs qui réagiront à votre présence, vous tirant dessus à loisir par exemple. Et il y a un système de respect en plus de ça. Si vous travaillez pour tel ou tel gang, tel autre gang pourra vous détester et vous chercher des noises bien évidemment. Le système d'indices de recherche refait son apparition évidemment, avec l'ajout cette fois des équipes du SWAT, quand on arrive à 4 têtes de flics en fait, qui sont symbolisées en haut au milieu de l'écran de jeu. Si vous atteignez 5 d'indices de recherche, il y a des agents spéciaux qui vont apparaître et vous courir après. Et 6 d'indices de recherche signifie l'arrivée de l'armée, voilà. Donc finalement, c'est pas quelque chose qui a été inventé par les GTA suivants. C'était bel et bien dans GTA 2 dès 99. C'est évidemment le retour de la vue de dessus, avec cependant des éléments de décor en 3D. En plus de ça, le jeu est bien plus joli, puisqu'il gère la gestion du jour et de la nuit, avec une section le matin, une section la journée, une section au crépuscule, comme vous pouvez le voir en fait, dans les images du gameplay que je vous ai tourné spécialement pour vous. A noter au niveau de la bande-son qu'il y a 5 stations de radio par zone, donc elle passe évidemment de la musique, mais aussi des spots publicitaires assez hilarants, qui montrent d'ores et déjà l'humour de DMA Design qui deviendra plus tard Rockstar North. Pour l'anecdote, si vous entrez dans une église pour sauvegarder, avec 50 000 $, le prêtre crie « Alléluia, une autre âme de sauver !» Et si vous entrez avec moins de 50 000 $, il dira « Enfer et damnation, pas de don, pas de pardon !» Ces paroles ont finalement été censurées pour la version PlayStation 1. Donc finalement, GTA 2 est une vraie amélioration de GTA 1, le premier du nom, qui était sorti 2 ans avant. Beaucoup plus beau, beaucoup plus varié, mais aussi avec un gameplay plus léché. On sent vraiment que DMA Design polie son bijou et affine finalement sa formule et s'apprête très bientôt à passer le pas de la 3D. Mais ça se passera dès demain où on en parlera à propos de GTA 3 évidemment. Donc on se donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo rétrospective de la saga GTA avec GTA 3 qui sort en 2001. A très bientôt tout le monde, salut à tous.